Coucou la team, on se retrouve, nous sommes jeudi 24, il me reste une heure avant d'aller chercher Elia au collège et donc du coup je voulais faire une carte vite fait, donc ça va pas être un tuto avec ces DIY cartes là, mais voilà, en rajoutant des trucs, en enlevant des trucs, enfin bon vous voyez quoi, ou pas. Donc du coup là je sais pas encore, je suis en train d'essayer de voir ce que je vais prendre. Bon, lui il est un peu plus enfantin celui-là. Bon après pourquoi pas hein. Parce que si je veux faire un genre d'album comme je fais d'habitude et tout, je vais garder un que je préfère. Voilà. Pas que je l'aime pas celui-là, mais voilà, il est un peu plus enfantin. Alors, on va se prendre ça, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Celle-là, elle va être en hauteur. Celle-là, elle est choupie aussi avec eux, là. Elle est trop choupie, j'adore. Celle-là, par contre, j'adore. Je sais pas, du coup. Même eux, les petits gnomes, mais je la veux pas en hauteur, la carte. Je la veux comme ça. La fille, elle est pas chiante. J'aimais bien les... Ils sont où, les choupis, là? J'aime bien eux. Mais ça va pas aller. Si je veux mettre... Je voulais mettre un des trucs que j'avais acheté, là. Bon, écoutez, je vais prendre le dernier, là. Ah mais il y a eux, attends, ils sont où eux? Ah oui, bonjour. C'est eux que je cherche, mais... Alors, du coup, on va faire celle-ci. Donc, vous voyez, enfin, vous connaissez, hein, vous avez la carte. Ici, vous avez le modèle, en fait, que vous pouvez faire. Et voilà. Donc, moi, je vais faire avec cette page-là. Je ne vais pas du tout faire le modèle qui est là. Alors après ça, vous pouvez en faire sur des petites ATC, faire une petite pochette, faire un petit rappel, etc. C'est sympa, moi j'aime bien. Voilà. Après la carte en elle-même, je ne sais pas combien elle fait là, la petite. Mais je sais qu'à l'époque, elles n'étaient pas plus grandes. Il me semble qu'elles étaient plus grandes à l'époque. Puisque je sais que ça faisait pratiquement la taille d'une ATC. Et on pouvait faire des ATC avec. Donc vous voyez, ils ont changé un peu la taille aussi. Il nous change tout, Action, il nous change tout. Bon alors, ça mesure combien ça? Alors, c'est parti, c'est parti. Donc ça va mesurer 15 cm sur un tout petit peu plus de 10 et demi. Donc là, on va se faire une petite base de cartes. On va se faire une petite base de cartes rouge. Pour pas changer, vous allez me dire. Encore du rouge. Remarque, on peut la mettre comme ça ou on peut la mettre comme ça. C'est vrai que c'est au choix. Moi, je voulais qu'elle s'ouvre comme ça, mais après, je peux la faire ouvrir comme ça sera mieux pour moi. Alors, du coup, on va la faire comme ça, j'ai dit. Donc, du coup, je vais couper à 15 et demi. Donc, j'aurai un petit espace. Mais non, justement, il aurait fallu un peu plus gros. Je suis emmêlée. Il aurait fallu un peu plus grand pour ce que je veux faire. Quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Hein. Bon, c'est pas grave, j'ai du papier ici. Il est bordeaux. Ouais, mais il est fort. Je vais pas y arriver à trouver du papier rouge. Bon, celui-là, pour le coup, il est trop épais, mais c'est pas grave. Hop là. Allez, j'en reprends un autre. Donc, je vous ai dit qu'elle s'ouvrirait comme ceci. Alors, du coup, ma carte fait 15. Normalement, voilà. Donc, après, c'est pas un tuto. Hein. Moi, je vous montre à peu près ce que je vais faire. Ce que je veux faire à peu près. Voilà. Donc là, je vais prendre, je pense... Ouais, je vais prendre... 17, je pense. Quoi que 17, ça va faire un peu large. Si je fais 16 et demi, 16 et demi, on n'est pas trop mal. 16. Bon, on va prendre 16. Ouais, mais 16, ça fait petit. 16 et demi. En fait, ça va être le plus compliqué, ça va être de la centrer. Hop, donc je prends 16 et demi. Voilà, et là je vous ai dit que ça faisait à peu près
10 et demi, donc je vais faire à 11, donc je vais la couper à 22. Voilà, et je vais faire un pli à 11 cm. Voilà, alors il y en a beaucoup encore qui me demandent où est-ce que j'ai eu ça, etc. etc. Pour mon massicot et tout ça, vous tapez, vous allez voir sur ma chaîne et je vous ai fait une vidéo spéciale hein, pour mon massicot, d'accord? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions en fait par rapport à ça et voilà donc j'ai eu beaucoup de questions mais j'avais fait une vidéo justement spéciale pour ça donc voilà je vous invite à aller voir je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait. Alors ensuite je vais prendre j'ai des petites chutes là, alors est-ce que je vais avoir assez? Ben non, sinon c'est pas drôle. Au niveau du papier vert là justement j'ai pas tant pis, donc je vais prendre un papier, alors vous prenez un papier comme vous voulez hein. Moi je vais prendre un papier vert pour mettre derrière et j'aurais préféré utiliser une chute mais j'en ai pas donc du coup voilà. Alors là je vais couper deux petits rectangles, alors vous coupez pas des rectangles super grands hein, d'accord. Donc je vais couper genre à 1,5 cm, on va dire 2, ça sera plus simple. Hop. Donc là je vais couper deux petits rectangles de 2 cm, voilà, hop, comme ceci. Et ma carte, j'ai dit là qu'elle faisait 10,5 cm, donc je vais les couper à 9,5 cm. Je vais enlever 1 cm par rapport à ma carte et en fait ça je vais venir le coller ici derrière, vous voyez à peu près, je vais laisser passer un tout petit peu comme ça, vous voyez. Alors après j'aurais pu faire blanc hein, mais voilà, j'avais envie de faire vert comme ceci. Après vous faites la couleur que vous voulez et vous faites dépasser un tout petit peu comme ça. C'est pour ça que là j'ai voulu laisser un tout petit peu de marge sur le côté pour qu'on voie un petit peu ça, d'accord. Donc là je vais venir déjà rouler ça. Bon alors après il faut le coller à peu près à la même distance hein. Donc au pire des cas vous faites un petit j'en sais rien, regardez pour vous donner une astuce, moi bien sûr je mets de la colle dessus. Là on a dit que ça faisait 2 cm, si vous voulez que ça dépasse que de 0,5 au niveau de votre carte, vous prenez votre plus beau des crayons que vous pouvez avoir. Pas où je l'ai passé mon truc moi. Alors j'ai lui, donc là ce que vous faites c'est que vous faites un trait ici. Putain. Et j'ai mis la colle, vous faites un trait là, ok. Là vous allez vous faire, vous n'avez même pas besoin là, vous laissez vos deux petits traits, vous faites par rapport à votre trait. Donc là vous allez mettre de la colle on va dire jusqu'à vos petits traits. Et là, vous allez coller. Voilà. Pour laisser que les 0,5. Tac. Et vous essayez de vous centrer en haut et en bas. Vous voyez, comme ça. Donc là, on va essayer de le faire avant de mettre la colle. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir en fait le même... Voilà. Le même diamètre, le même diamètre, la même longueur de chaque côté. Hop. Et hop, voilà, tac. Et là, vous centrez par contre en haut et en bas. Pour voir si vous êtes centré, hein, c'est... Si vous êtes identique, vous essayez de vous mettre vous voyez, sur votre tapis de coupe à peu près. Vous voyez, j'ai celui-là qui est plus haut, moi. Donc, il faut que je relève un peu celui-là. Hop. Allez, on est bon. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. C'est juste pour faire un petit décor sur les côtés, en fait. Elle se prend bien la tête cette fille hein, pour rien alors qu'elle a un kit où vous pouvez tout de suite coller et tout. Mais voilà, moi le but en fait, je vous ai toujours dit, j'achète ces kits, j'adore
parce que voilà, on a tout. Mais je joue avec, en fait. Voilà, je refais des cartes, en fait, à ma manière. Vous voyez? Je suis pas à la lettre. Après, c'est bien d'utiliser, mais regardez. Vous voyez? Franchement, je trouve que ça rend super bien. Voilà. Après, ça donne un petit truc à la carte, un petit effet, quoi. Voilà. Donc ensuite, on va prendre les petits dice cuts qui vont normalement sur cette carte, hein, parce qu'on va quand même les utiliser. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tomber encore? Donc là, on a lui. Ensuite, on a lui. Alors, il y a des fois où je ne mets pas tout non plus, hein, vous voyez. Ah ouais, ça en fait c'est pour faire ça en 3D. D'accord, après on a le truc. Ça aussi c'est pour faire en 3D. Ça peut être sympa. On va le faire en 3D. On a lui. On a ça. Ça. Le petit nœud. Oui, ils le mettent là. Pourquoi pas, c'est pas mal. Et on a des genres de petites clochettes et des petits boutons qui mettent là. Là. Tac, tac. Ok, voilà, je prends pas tout, hein. Alors, Elia m'a laissé son art plastique là, et du coup, alors moi j'ai acheté à Stokomani ça. Alors, je pense qu'on va le mettre plus en doré. Donc, en fait, c'est des à la base, c'est deux sous de verre en. C'est des dessous de verre en forme d'étoile de neige comme ça. Vous voyez? Je trouvais ça vraiment trop trop sympa. Et je me suis dit pour le scrap, pourquoi pas? Donc j'aimerais bien utiliser, vous voyez, alors peut-être que juste la moitié justement, utiliser ça en fait sur ma carte. Voilà, rajouter des petites choses en fait pour égayer un petit peu cette carte. Alors, par contre, c'est super épais, hein, ça en version, vous voyez, c'est pour mettre les verres dessus. Donc après, voilà. Donc, je voulais utiliser ça, moi. Vous voyez, mettre genre un petit flocon de neige qui partirait, vous voyez, comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. Allez, on va essayer de se coller ça. Normalement, avec cette colle, ça devrait le faire. Après, si vous n'avez pas confiance en la colle, comme ça, vous mettez de la colle chaude. Ça collera très bien. Mais je vous ai toujours dit, celle-là, franchement, elle colle tout, quoi. Elle est vraiment. C'est la top du top. Enfin, pour moi. Hein. Attention, parce qu'il y en a plein qui l'aiment pas. Après, il y en a qui préfèrent la blanche. Il y en a qui préfèrent. Après, chacun, comme je vous ai déjà dit, une fois que vous avez votre colle à laquelle vous, avec laquelle vous vous sentez le mieux, vous utilisez celle avec laquelle vous sentez le mieux. Je sais que j'en vois beaucoup qui adorent la colle blanche comme ça de chez Action. Moi, je trouve qu'elle gondole. Après, voilà, comme je vous dis, les goûts, les couleurs. Il y en a plein qui aiment la. L'autre là, je sais plus comment elle s'appelle, là, que j'avais acheté moi. Celle-là, là. La Tacky Glue comme ça. J'en vois beaucoup qui l'utilisent. Moi, ça ne me correspond pas. Voilà. Mais après, comme je vous dis, chacun ses goûts. Et après, on ne scrape pas tous de la même manière non plus. Donc après. Ça peut aller chez l'un et pas aller chez l'autre. Voilà. Donc lui, je l'ai mis là. Ça, on va le mettre. On va le mettre par là aussi. On peut le mettre là. Et je veux pas trop cacher mon étoile, quoi. Et lui, on peut le mettre là. Le petit nœud. Hop. Vous voyez, vous retravaillez un petit peu en fait. Vous vous servez de ce qu'il y a dedans.
Mais en retravaillant un petit peu, ça peut vous donner une carte vraiment sympa avec tout ce qui va avec. Et ça peut être cool. On rajoute des petites choses. Après, c'est pas grand-chose, mais... Tac, du coup, lui, on va lui mettre un petit machin en 3D pour qu'il soit en 3D dessus. Hop là. En plus, ça brille. Waouh, c'est magnifique. Et là, on va mettre les deux petits boutons. Tournez les boutons tournent. Et nous chante une chanson. C'est même pas des boutons aussi. Non. Je sais même pas ce que c'est. Moi, je vous dis, c'est des boutons, mais. Toute façon, c'est même pas des boutons. Et voilà, moi, j'en mets que deux. Et ma carte est terminée. Voilà, c'est vraiment une petite carte, hein. C'est pas un tuto, c'est voilà, on fait une carte ensemble avec le DIY carte de chez Action, vous voyez. Après ici, bah, vous pouvez créer une petite pochette pour mettre justement la petite carte qui reste là, vous voyez, pour faire un petit rappel, vous pouvez rajouter ça. Et après là, vous voyez, moi il me reste la petite couronne. Donc là, bien sûr, vous mettez soit un papier blanc ou autre chose, hein. Donc là, moi, il me reste la petite couronne, hop, que l'on peut mettre, vous voyez, à l'intérieur pour décorer un petit peu. Après, vous voyez, il vous reste des petites choses. Donc, vous pouvez mettre la petite couronne pour décorer. Votre petit intérieur, tac, pareil, il reste des petites clochettes, des petits ronds comme ça. Après, ce qu'il vous reste, vous pouvez décorer l'intérieur. Et puis ça, après, soit vous en faites une carte, soit vous en faites un ATC dans une petite pochette. Ou, vous voyez, vous pouvez remettre un petit rappel de ce que voilà, vous avez à peu près fait derrière. Vous pouvez le remettre ici pour décorer votre carte. Vous voyez. Après, vous pouvez réutiliser les petits die cuts. Après, pas obligatoirement sur votre carte. Et voilà ma petite carte. Donc, j'ai pas rajouté grand-chose. Hein, j'ai juste rajouté un petit peu le flocon de neige. Deux petites bandes comme ça de papier sur le côté. Et vous voyez tout de suite, ça fait son effet. Et ça change du modèle qu'on a pu voir tout à l'heure. Voilà. Ça l'égaye un petit peu plus. Bon, écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées. Voilà, c'est pas un petit tuto, mais j'espère que cette carte vous aura plu. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.